Mireille Momini. Parce que dans mon cas, moi, ça va être la première fois que je fais ce type d'épreuve-là. Donc, à Québec, il n'y en a pas de temps. J'ai décidé de tenter ma chance cette année. Jacques Demeul. J'ai toujours été maniaque des longues distances. Fait que j'ai su que ça existait. Puis, là, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dépassé ses limites. Je m'appelle Laurent Bourgoin. Ben, c'est une première, pour moi, c'est une première, un ultra-défi. J'avais déjà fait des 24 heures, mais jamais à 1000 km. Je m'appelle Jérôme Liard, je fais du vélo. Je suis un débutant, ça fait vraiment seulement un an que je fais beaucoup de vélo. Moi, mon nom est Frédéric Perman. Moi, je fais des longues distances depuis 2010. Puis généralement, c'est toujours très, 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 très loin. Donc là, c'est l'occasion de faire quelque chose localement, puis de découvrir une partie que je ne connaissais pas de la province. Je m'appelle France Ortubise et je fais du vélo depuis à peu près 10 ans. J'ai décidé de participer à l'Ultra-Défi à cause de mon chum qui il y a plein de projets puis ça faisait partie de ses projets. Je m'appelle Daniel Gamache, puis du vélo de route, je dirais que ça fait 3 ans que j'ai mon vélo de route maintenant. En fait, je me lance un grand défi par année, soit de randonnée ou de vélo. Cette année, c'était le vélo. Puis en même temps, bien, dans mon coin de pays, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu un effet d'entraînement de gang, puis ma conjointe l'a fait aussi, fait qu'on a décidé de toute façon en gang s'entraîner puis de venir faire le défi ici. Je m'appelle Alain Cuverrier. Je fais du vélo depuis ma tendre enfance. J'ai un vélo mobile. C'est une carrosserie de 9 pieds de long qui est assez allongée. C'est vraiment spécial. Yvon Clément. Et je fais du vélo depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours aimé faire des longues distances. J'ai besoin de défis aussi. Ça en a un beau. Ben, mon nom, c'est Michel Jardin. Ben, l'Ultra Défi, je trouvais que c'était un beau parcours. J'avais le goût de me dépasser un petit peu. Mon nom, Martin Voyon. Je suis un amateur de longue distance, donc de brevet. Et je connais l'organisateur, Sylvain. Donc, j'ai l'intention d'essayer ça. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Je m'appelle Sylvain Grenier. Ben, la raison pourquoi que l'Ultra Défi a été mis sur pied, c'est parce que des événements de course de longue distance, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a même dans l'ouest du Canada, puis il n'y en avait aucune dans l'est du Canada / Québec. Donc nous, c'est vraiment d'imposer une logistique, une réglementation avec un temps limite, des points de contrôle, et ainsi de suite, pour que le monde, une fois qu'ils ont fini la run, dise « Hey, j'ai vraiment fait 1000 km en moins de 65 heures. » Puis il y a des preuves qui l'ont fait, puis là, ça devient vraiment une satisfaction personnelle. Et puis, c'est en 2014 là, que le premier événement de l'ultra-défi 1000 km a lieu, dont le départ, c'est demain. Et on espère revenir vivant. En c'est ça. La tripe elle est très dure à mettre. Ah, c'est pour ça que je galère moi. Ah ouais, non, il faut. Là il faut forcer, c'est un pneu de merde. Je vais pas pouvoir te le remettre.
pauvre Gégé. Hein? Ah non, je vais pas pouvoir le remettre. C'est sûr que je vais pas pouvoir. Oui. C'est impossible ça. C'est quoi? Il est trop tendu, il y a un défaut sur ce pneu, c'est sûr. Allez, force. T'es qu'à 4 là. Allez, 5. La princesse s'en va. Ah oui, c'est beau, hein. Un petit peu de côte. Là, c'est là, d'après moi, ici, là, Allemand. Bonjour! Ah, ça va y aller. Je peux le donner encore. Tu vas voir, ça va bien aller après en descend. Ah ouais? En Valais, c'est une bonne petite butte. Quand on est au Valais, on se flatte. C'est la crème! Ben merci, aïe, beaucoup de plaisir, amusez-vous. Salut. Mais quand tu montes des côtes, là, ça doit être tough en tabarnak. C'est plus tough, c'est plus dur. C'est plus dur, mais on est capable. C'est la musique en let's go. La vie est belle, hein? Hein? S'il te plaît. Hey, bonne journée. Hey, salut. Bonne journée. Vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, par sécurité, je venais voir si tout était beau là. C'est pas juste que ça allait dehors. Moi, je relâche. J'ai jasé un bout avec la gang au Valley. OK. À votre gauche. À gauche? Ouais. Hey, vous roulez rondement, les messieurs? Puis, comment ça se passe jusqu'à présent? Très, très bien. Ça m'a pris un peu de temps à m'ajuster, là. Après le premier relais, premier checkpoint, là, ça s'est stabilisé, les pulses. Ça a un début de sinusite aussi, puis on dirait que le corps parle. Mais là, ça s'est stabilisé. Tout est sous contrôle. Est-ce que ça va comme tu veux? Pour l'instant, so far, so good.
Okay. As-tu vécu quelque chose qui pourrait être plus dur ou... La gravelle, hein? T'espères juste que c'est pas 1000 km de gravelle. Outre la gravelle, écoute, j'ai deux gentlemen qui m'ouvrent le chemin quasiment. Fait que ça va bien. Fait que, non, je suis contente. Puis en plus, j'arrive puis j'ai du lunch. J'ai une fois avocat, sandwich. Regarde. Hein? C'est comme. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Je vais attendre avant de poser ma question. Ouais. Ouais. Puis comment ça va jusqu'à présent? Ça va bien. Il fait chaud. Le fond de l'air est chaud. Mais même avec le vent, là, c'est chaud. C'est très chaud. Les garnottes, là, c'est pas évident. Le plus bas qu'on a passé, c'est à 28 km/h. Mais c'était marrant quand même. C'était le fun, là. Mais hormis ça, bon, regardez le restant, c'est le parcours. Hein. Le parcours est délicat quand même, hein. Il n'est pas facile, hein. Il n'y a rien de facile sur ce parcours-là. Il y a de la corde, mon homme, en partant, là. Ah, la garnotte, as-tu glissé? Moi, je t'appuie tellement qu'au tout, dans la garnotte, c'était rough. Elle a dit que c'était beau, là. Ouh! Je suis pas loin des autres. Non, vraiment pas. Vous êtes à 20 minutes, 25... Même pas 25 minutes. En arrière du peloton de tête. Bon, ben, je m'en vais. Salut, on s'en va comment, là? On s'en va comme ça? On se vire à droite, hein? À la chic! Bye! À la chic! Oui. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Pourquoi vous avez décidé de le suivre justement aujourd'hui? Ben, parce qu'il voulait le faire, mais 1000 km avec ses petites valises, je trouvais que c'était trop long. OK. Puis, à la date, comment vous... Ça va bien, je pense. C'est lui qui prend moins de temps pour le faire, le 1000 km. Je suis sûr que c'est Alain ou Frédéric. L'un ou l'autre, oui. C'est les deux, ils sont en compétition, ah, les deux. Sûr. Il fait pas trop chaud? Il fait très chaud. Et ça va? Oui, merci. Pas trop chaud? Ben, c'est bon. Faut boire. Il vient de sauter 2000 mètres de dénivelé, là. 2027 au 223e. Dominique? Une canne d'huile, s'il vous plaît. Deux bords énergie. Deux bords? Non, l'huile, excuse. La vraie huile. Donc, ici, j'ai des pinottes. Là, je traîne mes pinottes dans le trou. En avez-vous besoin d'autres? Mon café. First Endurance, puis de l'eau. Puis bon, ben, j'ai chamiché, puis c'est du bord salé. Moi, je me suis fait un ami, je le lâche plus. Jusqu'à temps qu'il me largue. Je le lâche plus jusqu'à temps qu'il me largue. Le réchauffement va bien. Le réchauffement va bien. On se réchauffe qu'à Baie-Saint-Paul, n'oubliez pas. Que tout à l'heure. Ouais. Mais mon Dieu. Ben, il fait moins chaud, là. On est déjà beaucoup mieux, là. Ah oui, hein. Avec le train-là, c'est pas facile.
Ils sont pas si loin que ça. Et on devait aller voir arriver le gars et la fille. Ils sont ensemble, ils font une équipe. Ils n'ont pas tellement de différence avec Frédéric. Puis ils ont une petite différence encore entre ce couple-là puis Alain. Chez eux, là, ça va, ils autres, on passe à 100 km/h, on s'en fout, on pèse sur le gaz. Là, fait que c'est difficile de calculer les autres, leur distance. Là, 15 minutes, ça peut être 20 minutes. Dessus, puis moi je m'occupe de. J'ai mon clé, je pense qu'il a bougé. Bonjour. OK. Allô? Hey, Saint-Cyro, calmant capédale. Félicitations, on est ici. Et nous autres, on est fatigués, pour on est en camion. Ça dit, Christ, année de peser sur le gaz. Puis ça se passe bien jusqu'à présent. Oh, ça se passe bien. Il y avait plusieurs pentes tantôt. Là, c'est descendant depuis un bout de temps. J'ai augmenté ma moyenne d'un kilomètre-heure depuis environ 60 km. Ça augmente, ça, que, là, ça va bien. C'est rien que les pieds, mal aux pieds. Comment ça va, là? Ah, ça va pas pire. C'est les pieds. Hey, là, maintenant, c'est mieux pour toi. Juste pour le parc de la Mauricie. La prochaine étape, c'est pour toi. Ouais, après ça, le parc, c'est. Hein? Fait qu'on va marcher ça, là. Salut, cher! Parc, il y avait des fêtes. Alors! Bonjour! Oui, le parc! Ah, c'est génial! Tu plaisais dans le parc? Ah, oh, ouais, ouais. C'est plus 50 euros. Cette nuit, mais dans le parc de la Mauricie, hein, il y a un petit peu d'action. Hein. J'ai vu un ours plein milieu de la route. J'ai passé à côté, j'ai passé vite, faisant noir, fait que j'ai bien vu. Ensuite, j'ai entendu un orignal, puis je l'ai vu à ma gauche. Il courait. Il courait comme ça à la gauche. J'ai une sonnette dans mon bolide. Il a traversé la route, rentré dans le bois. Pour terminer, un petit renard. Mais lui, j'ai crié le criard un petit peu. Je l'ai agacé, il faisait clair. Tantôt! Bye bye! Bonne chance! Ça va? Ça va mieux que quand je suis partie, sincèrement, ouais. Le réveil a été difficile? Ben oui. Ah, j'ai des belles ampoules quand même. Oh, ça commence à être. Ouais, ça commence à être le fun quand je m'entends bien encore. Oh, t'es bien habillé ce matin. C'est plus les mêmes températures. Pourquoi tu changes ta roue, hein? Juste parce que là, on s'en va faire plus de plats. Puis que. Ben, je trouve ça amusant de rouler avec une roue qui a plus de profil. Puis que si le vent est favorable, ben, c'est comme changer de voile sur un voilier. Ah, ouais, c'est vraiment juste pour le trip, là. Hein? Bon. Ici, là. Ça va, hein? Mais un pouce. Ouais. Comment est-ce encore? Bonjour! Attention! Thank you.
être une autre, il devrait être une autre couleur, le toit. Il a son voyage. Il a monté à côté de l'église, puis il s'est aperçu que la montagne était plus haut que le cocher de l'église. Il a dit, c'est pas croyable. Il a trouvé ça dur. Moi, j'ai monté tout en danseuse. Hey, 39-25, debout sur les pédales, à l'arraché. J'avais le cœur qui m'arrachait. Je descends pas bon. Et puis, j'ai failli mettre pied à terre. Bon, ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va. Nous, ça va. Alors, je me plains pas. Parce que quand on s'est vu au Tim Hortons, là, j'étais vidé. Je me suis rechargé. J'ai bien monté toute la côte. Parce que... Ah, je suis content. Tout simplement. C'est là, vous avez une belle nuit de sommeil devant vous. Ouais, c'est en vrai. Plus, c'est 9h58. Ouais. Mais tu sais, je pensais vraiment arriver avant. Ouais. Tout ce qu'on a descendu, là, on l'a monté. Oui, hein? Quartier Sainte-Anne-de-Beaupré, là, on est au niveau de la mer, hein? Oui, oui. On vient de descendre vraiment, là, 20 km, là. Ah, oui. Au mieux, je les aurais bouchés. J'en parlerai à votre frère, ouais. C'est pas mon frère, c'est pas mon frère. C'est pas votre frère? Non, non, non. Ah, mon Dieu, OK, je suis sûre que ça va. Elle, à un moment donné, j'ai fait signe, là, elle s'est parkée, j'ai dormi dans l'auto dans 10 minutes, là, parce que j'étais en train de m'endormir en descendant. Fait que je l'ai klaxonné pas mal tout là. J'ai donné un espèce de gros chocolat là, qu'on avait. Là. J'ai dit, let's go, prends ça. L'as-tu vu? Reculez de bas! Je vais reculer moi avec! Non, 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 restez là, restez là! Dans le fond, parquez-vous là, là! Je l'ai, la pancarte, je l'ai! Ok, ben attends, de bas, bouge pas! Il n'y a pas de personne! On va stager un peu! Ça, les gars en avant, là, ils devaient être rendus pas loin de la côte de la KA, là. Moi, ça fait 2 heures que je les ai perdus de vue. Okay. Et moi, mes genoux, là, dans les côtes, là... Ah ouais, ça fonctionne pas pantoute. Non, ils me parlent, là. Dans la descente, ça va mieux aller, là. Peut-être je vais les rattraper à la baie, c'est pas, là. Peut-être que Permane va se perdre. J'espère, là. Ça va? Parfait. Ouais? Bien dormi? Ah ouais. Excellent. Allô? Yes. Ça va? Bonne journée. Excellent. Comment ça se passe? T'es le premier. Imagine.
Ça va bien, ça va bien. Fou Sylvain. Je vais refaire ça. Je pensais qu'après le parc, moi là, je vais aller jusqu'au Timmy, c'est fini. Alors ouais, là, tu peux être. On a toutes les rues, on a toutes les rues de... Tu peux être guide touristique, est-ce que je suis bichard pour toutes les places, j'ai jamais vu ça moi. Ça, il me semble qu'il y a d'autres loisirs quelque part. Un peu tang l'année prochaine. Elle est vraiment pas avec ça tout de suite. Alors, récit de la journée. Tout allait très bien jusqu'aux deux dernières heures en arrivant. Chemin en grande ligne, est-ce que chemin. En tout cas, là. Laurent, là. En tout cas, peu importe, là. Là, ça a tombé, le boum. Que. J'ai réussi. Je ferai un meilleur ici tantôt, là, je suis dans les vapes. Mais c'est bien, c'est même très bien. Malade! Merci Sylvain, bravo. Il est beau hein, le parcours, oh, hein? Ouais. Il y a de tout. Non, il n'y a pas beaucoup de tout, il n'y a que des côtes. Non, mais il y a de tout, il y a du plat. Mais le vent a joué un rôle. Et le soleil. Moi, c'est le soleil. Là. Le soleil, si, il y en a qui ont pris de la pluie il y a deux jours. Moi, j'en réclamais un peu tôt. Yes! Si! OK. Merci. Oh, c'est beau, hein, merci. Ah. Félicitations. Là. Et puis? Là, je suis pété. C'est comme, c'est interminable, hein? Puis là, en plus, c'est comme, t'as l'impression que tu t'approches, mais il t'en va te faire faire un tour, chose, dans le fond des concessions. Le tour du royaume. Le tour du royaume. 59 et 26 minutes. Ah, yes! Merci. Hey, félicitations! Je me dis à moi-même, c'est pas croyable, deux roues, un pédalier, paye d'argent, Chris fait tout ça de 1000 km. T'es content de toi. T'as réussi. Vous êtes rendu? Quelque chose, hein? Tout seul, mais on était tous tout seuls. Ouais, je pense que ouais. Ça s'est divisé énormément. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Tu peux être fier de toi, là. Soulagé. Ouais, mais c'est quelque chose que t'as fait. Très beau paysage. Côte du Grand Jardin, c'était dur. Et on est prêt pour un autre, je pense. Félicitations. Toi aussi. Vraiment, bravo. Vraiment. Tu sais, je vais débarquer pour pas tomber en bas, là. Bravo!
Hey, t'as l'air en forme en viande? Non. Non. J'ai dit t'as l'air. J'ai une journée de merde. C'est arrivé? Ah, je suis brûlé. Non, ça a été un chemin de croix aujourd'hui. Là, j'ai eu le show. J'avais zéro jambe. J'ai marché. J'ai marché dans le parc. Dans le parc des Grands Jardins? Oui, j'ai marché la deuxième de Saint-Urbain parce que j'allais aussi vite à pied. J'étais en train de me vider complètement. Allô Jacob, c'est Marlène de l'Ultra Défi. Je voulais savoir où est-ce que vous en étiez rendu à peu près, puis l'heure estimée dans le fond que vous allez arriver d'après vous, ou du moins le nombre de kilomètres qui vous reste. Donc, il arrive! Il reste 20 mètres! Allez, bravo! Hey, félicitations! C'était un défi, hein? Non, c'est un ultra défi! Puis vos impressions, monsieur? Très difficile. La troisième journée, très très dur. Le parc des Grands Jardins, au plein soleil. Très dur. Mais on était à 5, on s'est soutenus tout le long, puis on a posé un travail. Allez, bravo. Elle fait même pas son vélo, en plus. Ton expérience, c'est sûr que ça a été bon. Ben, on s'est calmé les deux premiers jours. C'est tout un parcours. Vraiment, là, il était chaud aujourd'hui. Ben, en fait, comme toute la fin de semaine. Alors, on s'est payé l'affaire. Donc, tu disais que j'ai eu toute une aventure, mon vélo, mon DI2 a lâché. Fait que là, on a essayé de trouver une pile. On a fini par trouver une pile à Beauport. Celui qui faisait la poursuite, allait chercher la pile, il revenait avec. C'était pas la pile. Sur Facebook, j'ai mis un message. Y a-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me prêter un vélo à Québec? Finalement, c'est quelqu'un de Saint-Jean qui est descendu avec le vélo de sa blonde pour venir me le porter jusque chez nous, jusqu'à Québec. Fait qu'il a fait 3 heures de route pour retourner après ça. C'est vraiment incroyable. Il y a du bon monde en quelque part. Puis j'ai pu finir le défi. Fait que vraiment, félicitations, sérieux. Là. Ouais, merci. Ça, c'est un moment que tu tenais toute ta vie. Ah, c'est sûr. Peut-être même plus. C'est sûr, écoute. C'est tout un accomplissement que vous avez fait, en tout cas. Je me voyais tout tellement. Thank you.